Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment changer le nom de notre routeur. Alors, si vous voulez changer le nom du routeur avec Winbox, vous pouvez venir dans les paramètres système et c'est dans Identity. Vous pouvez mettre ici routeur, on a dit Teach Me More. Alors, je préfère changer ici. Pourquoi? Parce que si vous vous connectez via l'interface web et que vous passez dans le Quick Set, vous avez la possibilité de le changer ici. Je vais actualiser puisque je l'ai changé et il apparaît ici. Donc, si vous vous connectez avec un navigateur web et que vous voulez le changer là, si ces paramètres n'ont pas été configurés ou modifiés, la configuration ne s'appliquera pas lorsque vous allez faire appliquer la configuration. C'est pour cela que j'ai fait tout le paramétrage et on va dire après je change le nom du routeur. Parce que là, si j'appliquais la modification ici, si je mets par exemple ici RT underscore teach me more. Alors, vous voyez ici, je n'ai pas réglé la gateway. Si je fais appliquer la configuration, il me dit ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait des modifications ici. Donc, faites attention du coup. Si vous voulez passer par le navigateur web, il faut faire la configuration de la partie Internet ici. C'est surtout ça. Et de la partie réseau local. Or, si je viens sur Winbox et que je passe au Quick Set ici, vous voyez, vous pouvez faire ces modifications, mais vous ne pouvez pas changer le nom de la machine ici. OK? Vous avez aussi la possibilité de modifier le nom de la machine en ligne de commande. Nous sommes dans les paramètres système. Donc, système. On a dit que c'était Identity. Vous faites point d'interrogation. Et ici, set print. Donc, si je fais déjà un print, je peux afficher. Et on voit que c'est l'argument name. Donc, si je fais par exemple un print, je vais dire set, fais point d'interrogation, il me dit mettez un nom. Donc, je fais name égal à, il me demande de mettre une valeur, je vais l'appeler router teach numéro. Je fais entrer. Et là, si je reviens ici, hop, dans système. Alors, c'est Identity. Et voilà. Donc, vous avez vu maintenant comment on change le nom de la machine. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. Je vous dis à tout de suite pour poursuivre notre formation.